Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Belle Vie Cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon jus de gingembre, en tout cas c'est très simple à réaliser et très facile. Donc voilà, suivez les étapes avec moi et j'espère en tout cas que elle vous plaira. Donc voilà. Alors pour commencer, on aura donc besoin d'abord de laver nos mains, c'est très important surtout en ce moment. Ensuite, on aura besoin donc de notre gingembre, donc voilà. Normalement il faut enlever les épluchures, après voilà, vous n'êtes pas obligé, donc moi je vais faire avec, et sinon vous pouvez prendre donc du gingembre bio, voilà. Ensuite vous aurez besoin donc d'un litre d'eau, donc voilà, d'un bol, moi je prends un bol en plastique parce que ça va être plus facile, vous allez voir, donc pour verser notre jus. Ensuite vous aurez besoin donc d'un torchon propre, d'une assiette creuse, donc d'un passoir et de 1 ou de 2 bouteilles en verre. Pour la conservation, c'est nettement mieux. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai dit ou pas, mais d'un robot mixeur. On va commencer d'abord la première étape à découper notre gingembre. Voilà, j'ai terminé mon découpage. Hop. Pensez bien d'enlever les parties qui sont abîmées, donc comme là. Hop. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Voilà, je ne vais pas trop mettre, à peu près la moitié. Ensuite, je vais commencer à mixer petit à petit et je vais monter tout doucement. Alors, on va vérifier si ça a bien été mixé. Ça a l'air. Ensuite, l'étape le plus important, donc ça va être de bien mettre notre torchon, voilà, à l'intérieur de notre bol, voilà, comme ça, vous voyez. Ensuite, on va verser le gingembre mixé à l'intérieur. Comme ça. Le reste, je vais récupérer ça après. Ensuite, on va fermer le torchon comme ça, en prenant bien tous les côtés. Voilà. Parce que si on oublie, ça va passer par les trous là. Vous voyez? Donc on va récupérer comme ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très important de se laver les mains. Parce que bon. Oui. Hop. On va bien tourner comme ça pour bien faire sortir le jus. Voilà, je vais laisser ça dans l'assiette. Ensuite, je vais prendre ça, je vais mettre à l'intérieur de la bouteille comme ça. C'est pour ça, c'est très important, donc un bol en plastique en fait, parce que je vais venir faire comme ça, vous voyez. Donc là, je vais rajouter à l'intérieur petit à petit. Ça va. Donc. Et voilà pour la première bouteille. Donc là, le gingembre, il va être bien plus concentré. Donc voilà, ma première bouteille. Vu qu'il m'en reste un petit peu, je vais refaire ça. Je vais le remixer et je vais rajouter un peu plus d'eau. Comme ça, je vais faire ma deuxième bouteille.
Donc voilà les amis, ma recette est terminée. Donc comme vous avez pu le voir, c'est en tout cas très simple. Donc voilà, moi j'ai terminé ma deuxième bouteille. Et là c'est un peu plus dilué parce que j'ai rajouté donc de l'eau. Donc il m'en restait un tout petit peu, du coup je l'ai mis dans cette bouteille que je pourrais boire donc aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour d'autres recettes. Merci.